Eh bien, yo tout le monde, on se retrouve pour ce petit aparté entre nous pour juste vous informer que la DG Team arrive sur Star Citizen. On a officiellement ouvert notre corporation sur le site RSI. Donc, je vous donnerai tout dans la description de la vidéo. On recrute toutes sortes de personnes, d'accord? Débutants, anciens, vétérans, ce que vous voulez. Tous les débutants, on les prendra en charge pour leur expliquer de A à Z le jeu, pas par un simple tuto, par des partages d'écran et tout ce qui va avec. Ça les aidera beaucoup, beaucoup plus. Donc sur le site RSI, vous pouvez voir qu'on est en chasseur de primes et en contrebande. Donc ce n'est pas totalement faux, mais pas totalement vrai. C'est-à-dire qu'on va pas se limiter à deux activités, on va vraiment faire une globalité de nos activités. On va essayer d'avoir un peu le nez un peu partout. Et en plus, voilà, si on peut aider les nouveaux, que ce soit pour le farming, pour le minage, pour le salvage, on le fera aussi. Donc, dans la description, les amis, il y a le Discord et le site pour nous rejoindre sur JCR ici. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir en masse. Et il y aura aussi mon code de parrainage pour tous ceux qui vont créer un compte. N'hésitez pas à nous soutenir et on espère faire une belle aventure sur Star Citizen. Voilà. Bonne vidéo à vous! Eh bien, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'IAE. On se retrouve pour la présentation de l'Hurricane. Donc, un chasseur lourd multicrew. Donc, quand je dis multicrew, chasseur lourd, ça peut faire la paire. Hein. Le second joueur à la commande de cette petite toile que vous voyez là, qui est quand même assez badass. Et du coup, le pilote. Niveau esthétique, bah écoutez, j'ai envie de dire, on dirait un carac en petit. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais on dirait un carac et même un avion de chasse. Même, ouais, un avion de chasse. Un avion de chasse un peu plus balèze, on va dire. Mais il a totalement une gueule agressive, on va dire. Et en vrai, ça lui va énormément. Je pensais pas être si fan de la forme du vaisseau, mais vous voyez, enfin, c'est fait pour de toute façon pour attirer l'œil. Hein, mais hormis la grosse toile au milieu, je suis pas fan. Je pense qu'il y aurait eu moyen de mettre ça correctement et plus proprement. Et même que ce soit un multicrew d'ailleurs. Je trouve ça assez dommage. Parce que on aurait pu très bien mettre deux tourelles là. Deux guns de chaque côté des ailes. Et ça aurait fait le travail, quoi, j'ai envie de vous dire. Ouais. Donc du coup, il a des grosses Gatling, hein, comme vous pouvez le voir là. J'appelle ça des Gatling, mais ils appellent ça des Panzers. Donc la taille, je ne sais pas, bien entendu, je vous laisserai vérifier pour ceux qui en ont envie. Je suis pas là pour vraiment vous matraquer avec les armes ou quoi, c'est juste une présentation, c'est pas pour dire s'il est bien ou mauvais. Donc il a 4 torpilles, j'essaie de trouver un astéroïde où je saute pas trop loin. Ah si, je tire. Donc en soi, après pour un chasseur lourd, en vrai ça va, il est quand même maniable, il répond assez bien. Donc en soi, ça va. Moi j'ai pas à me plaindre à ce niveau-là. Je trouve que il est objectif le. Ouais, vous. Du rêver. Donc il est vraiment pas mal niveau vitesse. Après, j'ai pas été en atmosphère pour le tester la vitesse, mais de toute façon ça reste un chasseur lourd, donc je pense pas qu'il doit non plus aller à 800 mètres secondes en bas, mais je pense qu'il doit atteindre les 250 ou les 400, ça dépend. Mais regardez là, donc du coup là c'est l'entrée pour aller à la tourelle. Donc en soi, vraiment, par contre, je suis vraiment fan de l'aspect agressif du vaisseau. Là, on a l'impression en fait que c'est les ailettes du Hercule, les trucs en genre. Même, ouais, il pourrait même pratiquement ressembler à l'Hercule niveau design à l'arrière.
Je sais pas si vous voyez le F-17 ou le F-16, je sais plus, le chasseur américain, avec les deux gros réacteurs à l'arrière et on sent bien qu'ils sont là pour engager, quoi, pour faire du mal. Donc lui, il a pas de particularité. Il a pas une particularité plus que les autres, à part bah, l'ancien, le Hawks qu'on a fait juste avant, vous allez voir dans la vidéo, si vous avez vu, j'espère en tout cas, qui a lui une UMP. Lui, il n'en a pas du tout. Il a que dalle, lui. Lui, c'est vraiment full chasseur léger. Lourd, pardon. Bon, les serveurs, c'est un peu en détresse. Et quand je vous dis qu'il est assez maniable, c'est pas une blague, hein. Il est assez maniable et il envoie quand même du pâté, hein. Ça, j'aurais dû faire avec le Hawks, parce que le Hawks, quand j'ai vu un membre avec qui on a fait le Winter Hunter tout à l'heure, quand je vous en parlais de Jesus, il est assez maniable et il envoie pas mal du pâté, le Hawks. Donc, non, moi j'aime bien, il est agréable à piloter. Donc, en vrai, à voir dans le futur s'il y en a qui l'aiment autant que ça. Hein. Parce que je sais pas s'il est en vente ou pas. Mais ça m'étonnerait pas qu'il le soit. Il a l'air d'être abouti en tout cas. Donc en soi, on va dire c'est plus c'est plus une petite promo que je leur fais en fait. À chaque vidéo que je fais une petite promo du vaisseau. S'il est en vente ou pas, s'il est déjà en vente, ça leur fera une petite promo. Mais pour moi, il n'y a pas grand chose à dire d'autre sur ce vaisseau. Hormis que voilà, bon, c'est un chasseur lourd et on peut pas le nier, il a quand même une bonne gueule, donc il serait se répéter si on ferait que ça. Mais du coup, j'en profite pour dire dans cette vidéo que je voulais vous présenter le F8 qui était le F8 militaire. Mais le F8 militaire, on peut pas le présenter. Et du coup, moi, du coup, j'ai mon F8, mais j'étais en train de me dire que ça servait à rien de vous le présenter parce que c'est un F8 que tout le monde a présenté maintes et maintes fois avec les tickets d'or et les tickets de platine. Donc revenir dessus serait complètement idiot. Donc sinon vous le verrez assez souvent dans les vidéos de chasseurs de primes ou Bounty Hunter ou même du PVP qu'on fait avec l'équipe. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis que ça n'a pas grand-chose de vous le présenter, vu que vous l'aurez assez souvent en vidéo. Surtout, n'oubliez pas qu'on recrute toujours, que ce soit des vétérans ou des nouveaux. Voilà, on recrute toujours dans la corpo. Donc, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord et à faire la demande d'adhésion sur le site. Voilà, on traitera tout ça ensemble. Il n'y a aucune obligation formelle, juste au moins de passer une fois en vocal avec nous pour... discuter ou avec moi ou avec un des admins pour discuter avant de vous faire recruter dans la structure. Et bah sur ce, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez des vidéos comme celle-ci. Et puis n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est gratuit et ça me soutient énormément. Sur ce, les amis, je vous dis tchuss et à la prochaine!